le fort Napoléon là-bas, à 400 mètres, derrière les arbres, au sommet de cette petite colline. Et ici, c'est la batterie de, le site de la batterie des hommes sans peur, sur laquelle une maison a été bâtie. Sur le site sûrement de la batterie, puisque on est juste dans l'axe pour les canons qui mitraillaient le fort, mais le fort ayant beaucoup plus de canons. Ici, ben, tout le monde mourait, la batterie des hommes sans peur. Et Bonaparte est venu là, a mis une pancarte ici, peut-être là où on est. Et batterie des hommes sans peur. Et c'est là où il rencontre Jugnot, qui deviendra grand général, et vainqueur de Lodi, enfin un des vainqueurs de Lodi, de Pont d'Arcole, etc. C'est impressionnant de voir que là, on est sur le site de la batterie des hommes sans peur. La maison a été bâtie dessus. On voit bien que... Et là, il y a des boulets. Il y avait trois petits boulets de couleuvrine là, sur le mur. Ça, c'est des boulets de... Bon, il y en a un qui a été piqué, ça, c'est sûr. Qui a piqué. Ça, c'est ce que les Anglais nous envoyaient pour dessus. Il doit y en avoir plein dans les... Dans la... Ça n'a jamais été fouillé, ça. Ça doit être plein de... C'est impressionnant de voir où là il y a eu tant de morts en 1793 pour libérer la République, pour sauver la République à la Seine. La Seine est la capitale de la République. S'il n'y avait pas la bataille de la Seine, on serait tout, enfin, là, on est revenu aussi. Hein. Après, il y a eu un empereur, il y a eu des rois. Mais là, en 1793, les soldats de l'an 2 sont morts par centaines sur là où on est. Dans cette... La terre a absorbé leur sang et tout. C'est phénoménal d'être là, c'est très émouvant. Et là, la vieille maison est faite sur le site. Et là, c'est passé un grand événement historique. Là, moi, je vois Jugnot, je vois tous les soldats. Je suis sûr que Jugnot il va apparaître, Jugnot. Hein, Jugnot, la tempête, il s'appelait. Jugnot, la tempête, t'es où? 600. On l'a embêté, 600. Hein, mon Jugnot, où il est? C'est une page d'histoire qu'il ne faut pas perdre. Et Bonaparte qui était bouillant, terrien, un petit capitaine, mais il était bouillant d'énergie, agité. Là, il y a 4000 mètres de terrain de cette propriété, c'est extraordinaire, quoi.